Are you guys ready? Yes. Please welcome Dave McToy. Transforme ces millions en milliards. Donc dans ma paix natale. Je vois qu'il y a beaucoup de changements positifs. Oui, oui, il y a beaucoup de changements positifs. Il y a les très bons restaurants qui font la fierté de la capitale. Hein? J'ai nommé le restaurant Bois Saint-Anastasie. Vous pardonnez pour le Bois Saint-Anastasie. Tous les jours, mon ami, je vois là, je mange le dîner de travail. Yeah? Il y a les bons hôtels que tu parles dormir là-bas. Le retour même pas le côté, comme le hôtel Mami Palace. Applaudissez pour le Mami Palace. Ah, il y a beaucoup de changements positifs, oui, oui. Yeah. Il y a beaucoup de changements positifs. Les gens conduisent très bien les voitures là-dedans. Meilleur qu'avant que j'avais parti les États-Unis de l'Amérique. Les gens les tuent pour toi. Et ils donnent la priorité aux piétons. J'ai dit comme ça, parce que personne ne laisse pas passer le piéton. Tu veux traverser la route, si tu n'es pas le champion olympique, tu ne peux pas traverser la route. L'autre jour, je suis au volant, je conduis mon hammer, je vois un grand-mère, il a traversé la route, elle a le panier sur la tête, et demande de le traverser la route, il n'y a pas le moyen, et je vois un peu comme ça, et à mon nom, et à mon nom. J'ai ralenti la voiture, je serai pour le passer. Et tout de suite, j'entends des voix, des grands-sœurs, « Bon, bon, hey, lève-toi, salopard, tu nous perds le temps !» Bien, je vois beaucoup de changements positifs, les gens respectent la côte de la route. Exactement comme à Washington DC, l'autre cité capitale. Petite anecdote. Nouvellement arrivé à Washington DC, je parle de driving school. L'auto-école. Pourquoi? Oh, pour américaniser un peu mon gros petit permis de conduire de tiers-monde. Les experts de l'auto-école qui viennent nous américaniser les permis, les gens qui viennent de tiers-monde, de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, ils nous disent quelque chose de l'idée. In this area, some people drive so recklessly that you gotta always be on the lookout for red light runners. Et quand dans cette région, les gens conduisent tellement bien la voiture que tout le temps, même quand le feu est vert devant toi au carrefour, avant que tu traverses, fais ton dernier prière. Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous faisons déjà aussi des grandes choses civilisées, comme dans les grands pays civilisés. D'ailleurs, je vois des pères de famille qui mangent eux-mêmes la fruit défendue de leur propre fille. Et ça ne s'appelle plus qu'une ceste aggravée de viol. Ça s'appelle DPC, droit paternel de cuissage. Les premières catégories
c'est un réel plaisir pour moi de voir DFK Montoya aujourd'hui en face parce que non seulement c'est la star préférée de mon oncle dont j'ai grandi en écoutant ses cassettes, en écoutant tout, en lisant les romans qui parlaient de lui. Et moi aussi je l'ai beaucoup aimé. Pour moi ça a été un très grand plaisir ce soir parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il a beaucoup innové parce qu'il n'a pas seulement parlé des choses anciennes mais beaucoup de choses nouvelles.